Bonjour tout le monde. Salut, salut. On est de retour pour une nouvelle vidéo. De dégustation. De dégustation et de test. Aujourd'hui, on va déguster 2-3 trucs. Ici, un petit apéritif. Donc, c'est des petits roulés avec une knack à l'intérieur. C'est des mini feuilletés à knack. Et ici, c'est du bœuf au poivre sauté aux légumes. Bon, voilà. Fait maison. Fait maison. On n'a rien acheté. Tout vient de notre cuisine. Voilà. Donc, on va déguster ça avec vous. Voilà, on vous donnera notre avis sur le plat. Si la cuisinière, elle est nulle ou pas. Voilà. On pourra vous le dire. Alors, pour info, si vous voulez avoir la recette donc de ces mini feuilletés roulés à la knack, si vous voulez la recette du bœuf au poivre sauté aux légumes avec plein de saveurs d'Asie, c'est une recette asiatique ou chinoise ou asiatique en fait, bon, comme ça on est sur le pas tombé. Vous allez sur la chaîne de notre chef Sweetilicious 225 sur YouTube, vous me trouvez assez facilement. Donc on va passer à la dégustation, on va commencer par l'apéritif. On n'a pas parlé du riz, c'est du riz au paprika qu'on a fait pour accompagner notre sauté de viande. Donc voilà. Bon riz. Donc on va mettre de côté et on va tester les mini roulés. Et ici on a aussi notre huile El Picanto. Parce que vous le savez, hein, vous êtes sur la chaîne de El Pimento. Ouais, faut pas déconner. Hein. Le piment, c'est comme une religion, c'est la même chose. Donc c'est bien doré, avec quelques petites graines de sésame par-dessus. On va goûter, hein, et on vous dira si c'est bon ou pas. Ça peut ne pas être bon. Oh, ça va être difficile de pas que ce soit pas bon. Hein. Le côté feuilleté, avec le côté salé de la knack et puis la petite pointe de moutarde, là, ça apporte du goût. Les graines de sésame viennent apporter le côté torréfié, grillé comme ça par-dessus. Ça apporte légèrement, mais alors vraiment légèrement, un petit parfum. Mm-hmm. La knack, c'est vraiment bon. C'est bon en texture. Ça apporte ce petit côté, moi je dirais plutôt fumé. Oui, oui, et ça dans la bouche. Oui, ça claque un peu. Alors attention, ça sera tout dépendra aussi de la knack que vous allez choisir. Mm. Nous, on a pris quand même de la knack, la peau, elle n'était pas orange, quoi. La peau, elle était blanche, quoi. Comme une vraie knack. Hein. Une vraie knack n'a pas la peau orange, hein, comme vous pouvez voir dans certains trucs, c'est du plastique, quoi. C'est pas une knack industrielle, si vous préférez. Voilà, voilà, en gros. Alors ça, c'est pareil, ça se mange sans fin, c'est des petits amuse-bouches. Si vous faites une petite soirée entre amis, un petit repas, vous mettez ça sur la table basse, en même temps que... El cocktail. El cocktail. El cocktail. El cocktail. On en a un nouveau, hein. El cocktail. Moi, je vais goûter avec un peu de... Attends, ne mettre un peu dedans. Un tout petit peu comme ça. C'est vrai que c'est pas bête avec un peu d'huile piquante dessus. J'ai jamais testé, c'est la première fois que j'ai testé ça. Je sais pas si ça va bien se marier. Parce que même si j'adore le piment, et ben il y a certains aliments. Alors ils sont très rares, hein, je peux vous l'avouer. Il y a certains aliments où je ne peux pas. Ça va être fort. Hein. Ça va être fort. Hein. J'espère que tu vas y arriver. Allez. Bon, avec le plat. Moi j'aime bien avec le plat. Ouais, c'est ça, ça m'arrive bien. C'est comme tout à l'heure, mais il y a que maintenant où je sens que ça. Vers la fin. Que ça commence à picoter et c'est là que ça rappelle qu'il faut en manger un autre. Non, c'est excellent. C'est très bon, c'est une bonne idée. Ça, même si vous n'êtes pas un très grand cuisinier. Ou plutôt une grande cuisinière, enfin plutôt, non, il y a autant de femmes que d'hommes. Sexiste, moi. Non mais... Je suis pas sexiste parce qu'on sait tout, on sait tous que les plus grands cuisiniers sont des hommes. Ouais, c'est ça. C'est cela, c'est pour ça que ça, tu manges que des plats des hommes, c'est ça. N'importe quoi. Bon. C'est franchement, c'est les petits amuse-bouches. Vous mettez ça sur la table, ça vous prend 5 minutes, vous achetez votre knack, vous achetez de la pâte feuilletée comme pour faire les tartes ou les quiches, et c'est parti. Alors oui, vous avez entendu tout à l'heure, il y a de la moutarde effectivement à l'intérieur. Mm. Mais bon, la moutarde, ça va apporter un petit goût, mais ça pique pas du tout. Non, ça chauffe, mais c'est la moutarde fine. Ah, c'est la moutarde fine. Elle est pas forte. Moi, j'aime bien la moutarde aussi, mais là, je sentais pas du tout la moutarde.
Donc voilà, hein, ça vous prend 2 secondes. Et puis au lieu d'aller des fois manger des apéritifs, des gâteaux apéro, même si on les aime bien, ça c'est toujours très agréable. Et vous pouvez être sûr que quand vous allez mettre ça sur la table, à chaque fois qu'on en a fait, soit qu'on allait chez quelqu'un, qu'on les faisait, ou quand les gens viennent chez nous et qu'on en fait, ça part en 2 secondes. Donc vous êtes sûr de satisfaire les gens avec ça, un petit apéro. Vous pouvez mettre 2-3 tranches de jambon fumé à côté, enfin de charcuterie, avec des petits pains toastés ou des petites tomates cerises avec mozzarella avec. Oui. Et là, vous avez un apéritif qui est super. Mmh. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a terminé nos... Hein? Ah. Elle a eu peur, elle a cru que j'allais l'attaquer, que j'allais lui mettre un coup de couteau. Je parle comme ça, juste pour dire oui, je crois qu'il y a un problème. Donc, vous pouvez voir qu'on a terminé nos mini-feuilletés à la saucisse. Terminé, ils étaient super bons. Terminado. La preuve, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Ça veut dire que c'était super bon. Ouais. Donc, tu donnes une note? Bon, moi, je ne vais plus noter parce que je ne suis pas objective. Moi, je mettrais... Franchement, pour des petits amuse-bouches comme ça, pas cher, rapide à faire, ça vaut un 9,5. Ah, c'est bien. 9,5, c'est bien. 9,5. Ouais. 9,5. Bravo au chef de la maison. Bravo. Bravo. Et essayez-les. Et franchement, dites-nous ce que vous en dites. Tout à fait. Et surtout aussi, quand vous êtes dans un repas, comme on l'a dit tout à l'heure, et vous verrez, vous nous aurez des nouvelles. Des petits pains. Ça part comme des petits pains. Tout à fait. Allez, maintenant... On passe aux choses sérieuses. On va procéder à la dégustation du riz, accompagné du petit sauté au bœuf. Alors oui, bah, c'est pas du riz collant, hein, donc on pourra pas le manger à la baguette. Non, c'est du riz basmati. Il sent bon, hein. C'est à quoi que t'avais dit? Au paprika. Au paprika. Paprika, poivre et sel et huile d'olive. Oui, d'accord, mais c'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça sent autre chose. Moi, j'ai mis un peu d'herbe, comme d'habitude. Des herbes? Oui. Oui. Je mets toujours des herbes. Non, mais moi, j'aurais presque l'impression que ça sent la cacahuète. Non, j'ai pas mis de cacahuète dedans. Je peux te garantir que j'ai pas mis de cacahuète dedans. Il n'a pas mis de cacahuète. Non, on essaiera une autre fois le riz à la cacahuète, mais une autre fois. Une autre fois, le riz à la cacahuète, mais là, j'ai pas mis de cacahuète, c'est du paprika. Bon, alors, c'est bien beau pour le riz, mais en tout cas, l'odeur, ça sent là... Bon. Moi, c'est... Là, en plus, comme on vient de prendre au milieu, là, il y a un peu la vapeur qui sort. Qui se délivre un peu, là. Qui se délivre. C'est bon. Voilà. Ah, ah, c'est beau. Ça sent bon. Oh, ça sent bon. Il y a les poivrons, ça sent le poivron, ça sent les épices, le poivre. Alors, le poivre, on le sent bien, effectivement. Hein, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle but, du riz au poivre, hein, bœuf au poivre. Du bœuf au poivre, oui. Ouais. Mais on sent bien les odeurs de tout. Hein. Il y a comment, on sent un peu la sauce soja. Je pense que c'est la sauce huître qui doit faire l'huile, que ça soit lustré. Un peu l'effet lustré, ouais, oui. Un peu reluisant comme oui. Ça. Ça a l'air d'être très 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 bon. Moi, je vais mettre un tout petit peu de piment à côté. Ouais. Comme ça, je peux goûter d'abord sans piment et après je mélange. Moi, je vais le mettre aussi, mais je vais le mettre à côté. Comme ça, je peux tremper la viande dedans. El pimento! Donc, comme d'habitude, moi, j'ai ma cuillère. Et moi, el baguette! Ouais, c'est pas trop. Mais bon, forcément, je pourrais pas tout manger à la baguette parce que le riz, comme il est pas collant... Alors moi, j'ai commencé par... Par la viande. Par le riz. Elle est belle. Moi, je trempe un peu ma viande dans le piment. Déjà, la viande, hein, c'est le principal, hein, forcément, c'est plat. C'est bon ? C'est vraiment bon. En tout cas, la viande, elle est bonne, elle est pas sec. Ça reste tendre, c'est revenu au wok. Excellent. Excellent. Tester les légumes. Non, les légumes, c'est pareil. Les légumes, c'est vraiment un tout. C'est vraiment ça qui fait que c'est bon. C'est que vous sentez vraiment bien l'odeur des légumes. Que ce soit l'un ou l'autre, on arrive à les reconnaître, même dans la bouche. Ce qui est bon, c'est que comme c'est revenu vraiment vite fait, ça fait vraiment onctueux. Parce que ça a eu le temps de cuire un petit peu en surface, hein, vraiment légèrement. Donc ça fait ce côté onctueux. Et puis, comme on a dit, toutes les épices, toutes les sauces, sauce huître, sauce pour sauter, sauce soja. Donc c'est ça aussi qui fait que tout soit onctueux. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté de ça, le légume, on le retrouve parce que au cœur du légume, le cœur du légume, il est croquant. Croquant, pas cru, hein, mais il est croquant. Donc, vous retrouvez quand même le légume. C'est ça qui est agréable. Je suis pas un mangeur de légumes. Loin de là. Mais alors, depuis que je mange un peu, bah, la façon un peu, c'est surtout d'asiatique. Hein. Et bah, franchement, ça fait un mélange qui est excellent. Et c'est un mélange de textures. C'est ça qui fait que c'est bon.
La carotte apporte vraiment du croquant. Le goût du poivron un peu sucré adoucit vraiment le tout. L'oignon aussi vient adoucir. Ça n'a pas non plus fondu. On retrouve le légume. Regardez ça. Voilà. C'est bon? Il y a quelque chose dans le riz. Moi, je sens un truc. Moi, j'ai l'impression que ça fait comme un goût de cacahuète de comme noix de cajou ou... Non, j'ai plus rien. Non, bah alors, en tout cas, alors là... Essayez, c'est quoi comme paprika? Mais bah, paprika normal. En poudre. Là, franchement, c'est vraiment très bon. Alors là, j'en suis sûr qu'avec une recette comme ça, vous enlevez tout ce qui est côté pimenté ou même peut-être ce qui est poivre. Mais vous laissez tout le reste. Et franchement, même si vos enfants, ils ne mangent pas de légumes, j'en suis sûr que vous mettez tout le reste en retirant vraiment tout ce qui est poivre, piment. Tout le reste, vous le mettez, j'en suis sûr qu'ils vont le manger. Parce que, comme elle disait, il y a un petit côté sucré aussi. Essayez de cuisiner. Allez voir sa chaîne pour découvrir comment on fait la recette. Dites-nous-en des nouvelles si vous l'avez testé. Et je vous jure que si vous avez du mal à faire manger des légumes à qui que ce soit adulte ou enfant, mais j'en suis sûr que ça marchera. Essayez. Parce que lui, il est vraiment difficile pour manger les légumes. Il en mangeait quasiment pas avant. Maintenant, ça va, il en mange beaucoup. Je mangeais pas d'épinards, je mangeais pas de haricots, je mangeais pas de... C'était déjà pas mal. Mais même les poivrons, je mangeais pas la peau, il fallait que je les retire la peau. Tout ce qui était ratatouille, je mangeais pas. Moi, je dis que tout est une question d'assaisonnement. Il y a plein de choses que je mangeais pas avant. Et depuis que j'ai connu Anne, forcément, il y a eu des saveurs un peu plus exotiques. Depuis qu'il m'a connue, sa vie a changé. Ah, tout m'a changé. Elle m'a tellement changé que j'ai pris aussi beaucoup de kilos. Malheureusement. C'est les inconvénients d'aimer une femme et puis d'être en couple. Voilà, mais c'est la preuve de l'amour. Voilà, alors en tout cas, nous on va terminer tout ce plat. Bon, en tout cas, toi t'as terminé. Alors, moi, c'est parce que je parle beaucoup. En tout cas, moi, je vais me faire un malin plaisir de terminer tout ça et même d'en reprendre parce que ça va pas me suffire parce que je parle beaucoup. Alors, les amis, si cette vidéo vous a plu, que ça vous donne envie, lâchez un gros pouce bleu. Abonnez-vous aussi à cette chaîne. C'est important, ça nous soutiendra et ça nous permettra aussi de vous faire de plus en plus de vidéos et peut-être aussi d'avoir la possibilité, peut-être par la suite, de sortir un peu du contexte là et de vous proposer quelque chose de plus extérieur, on va dire. Tout à fait. Pour aller découvrir de la nourriture, un peu de ce qui se passe un peu à droite à gauche, que ce soit local, dans la région, dans des autres régions, dans d'autres pays aussi. Donc voilà, en tout cas, on a une grande motivation là-dessus. Tout à fait. Il y a un gros potentiel dans cette chaîne. Voilà. Donc si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en likant nos vidéos, en les partageant et en activant vos notifications. Et du coup, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Ciao! On n'arrêtera jamais. Non, c'est bien d'envoyer des petits bisous aux gens. C'est partager un peu d'amour. Voilà, ciao les amis! Ciao, ciao! Bye bye! Et on n'oublie pas, El Pimento.